Bonjour Luc, bonjour Emmeline. Nous avons eu le cours le jeudi 6 août. C'est la leçon 5 sur 10. Alors ça vient du livre Jus d'orange, d'accord? Jus d'orange, c'est l'unité 2. Alors, identifier un objet, to identify an object, un livre, un garçon. Une maîtresse, une prof, c'est peut-être la prof de français, une petite fille, le tableau, la classe. Okay. Donc c'est une classe d'école, c'est une trousse, c'est une prof de français, c'est un livre, ce sont des élèves. Okay. Alors comptez de 11 à 31, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, j'ai oublié le 25. J'ai oublié le 25. Hop. 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le jeudi 6 août. Quel est ton anniversaire? So you're gonna say, mon anniversaire, c'est le la la la. Un stylo, un feutre, un marker, un taille-crayon, sharpener, une trousse, un crayon, une gomme. I don't know why the French like this kind of eraser. I don't like it too much. I like the white ones. Un cahier. Notebook. Un livre. Un bâton de colle. Glue stick. Des ciseaux. Une règle. Un sac à dos. Backpack. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, la chambre n'est pas propre. Il y a des vêtements partout. Clothes everywhere. Je vois un lit. Des photos, un ordinateur, un réveil. Les couleurs bleu, rouge, rose, marron, noir, orange, gris, vert, jaune, blanc. J'ai, I have, tu as, you have, il a, he has, elle a, she has. Ok, c'est ici aussi. J'ai, tu as, il a, elle a. Les couleurs, quelle est ta couleur préférée? Les jours de la semaine. I'm gonna zoom in because it seems a bit small here. Hop. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les mois de l'année. Janvier, février, mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mon anniversaire est en hiver, in winter. C'est en janvier, oui. C'est le 15, plus. C'est le 17, oui. Mon anniversaire est le 17 janvier. Nous avons, we have, vous avez, you have, ils ont, they have, masculine, elles ont, they have, féminine. We did that. Hein? Ok. There's no uppercase for the days and the month. We don't add an uppercase like in English. Lundi. Salut, pardon, tu as une règle? Oui, tiens, voilà. Merci, tu as un crayon? Voilà. Merci. Désolé. Tu as une gomme aussi, un eraser. Oui, voilà. Mais mardi. Oui. Mardi, tu as tout. Mardi. Et ton matériel? Silence. Ça va, Théo? Bof. C'est Kevin. Il a mon crayon, pinceau, ma gomme, my eraser, et ma règle. Kevin. Kevin? Hein? Je ne m'appelle pas Kevin. Voici ta gomme, ton crayon et ta règle.
Pardon, désolé. C'est mon frère. Il s'appelle Kylian. Nous sommes jumeaux, twins. Alors, il y a deux classes ici. Une classe dans une école, une classe à l'extérieur. Bonjour, c'est la salle de classe avec les élèves et la maîtresse. La maîtresse est the teacher. La maîtresse s'appelle Alice. C'est l'école. La maîtresse s'appelle Aïssatou. Alors, tu peux voir, il n'y a pas l'école le mercredi. T'as vu? Alors, l'école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Alors, ici, répondre aux questions. Répondre aux questions, ou répond, on va dire ça, répond aux questions. D'accord? Il y a combien d'élèves dans les deux classes? Il y a combien d'élèves dans ta classe? Et quel jour tu vas à l'école? Okay. Alors ici, on a une maison. En fait, ça, c'est pour Emmeline. Voilà, Emmeline, c'est ton tour. Alors, c'est une petite maison. C'est une grande maison. Ok, it's a big house. Il y a cinq chambres. Cinq chambres. Une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres. Une salle de bain. C'est normal, il y a un S ici. Une salle de bain. A bathroom. Une salle de bain. Une cuisine. A kitchen. Une cuisine. Un salon. A living room. Un salon, c'est ici. Et une salle à manger. Une salle à manger. Une salle à manger. A dining room. Alors, ici, they don't want to accept, they want to force me to write computer. I don't know why. But, tu aimes aller à l'école? Oui, j'aime aller à l'école. Il aime aller à l'école. Elle aime aller à l'école. OK, so we did this one. Elle aime aller à l'école. Il aime aller à l'école. Compter. Non, lire, pardon. Lire. Alors, elle aime lire. Il n'aime pas lire. Compter. Elle aime compter. Il n'aime pas compter. Et tu peux dire, j'aime lire, j'aime compter. Elle n'aime pas chanter. Il aime chanter. Raconter une histoire, to tell a story. Elle aime raconter une histoire. Il aime raconter une histoire. And you can say, j'aime raconter une histoire. Elle n'aime pas dessiner, il aime dessiner. Elle n'aime pas le skate, il aime le skate. Elle aime ses amis, il aime ses amis. J'aime mes amis. Ok, so I've wrote everything here. Ok, j'aime mes amis. So here, if you just see IS, that means it's masculine, that's just boys, I guess. And this one is ES, that means girls, female friends. So, j'aime compter, elle aime compter, il n'aime pas compter. Elle n'aime pas chanter, il aime chanter. J'aime chanter. Elle aime raconter des histoires, il aime raconter des histoires. Elle n'aime pas dessiner, il aime dessiner. Elle n'aime pas le skate, il aime le skate. Je n'aime pas le skate. I don't know what's going on. Ok. Elle aime ses amis, il aime ses amis. J'aime mes amis, j'aime mes amis. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? So we did this stuff. Hein? Donc, elle chante, il peint. Elle chante, il peint. Elle saute à la corde. Elle téléphone. Elle saute à la corde. Elle téléphone. Elle lit. Elle lit un livre. Il court. Et toi, qu'est-ce que tu fais le samedi? Qu'est-ce que tu fais le lundi, le dimanche? Voilà, c'est le résumé. Passez un bon week-end et on se voit jeudi. À bientôt.